Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Ede Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. L'émission n'a plus tout sur l'ensemble de la situation politique en RDC. À la une, chers téléspectateurs, Boyo Kabandeko, F. Bazaïba Aïndisi, à l'objet, était Bandalelo en RDC. Les ressources naturelles ne seront plus exploitées et exportées à l'état brut. C'est-à-dire, les minéraux n'ont pas besoin de ce qu'on vit dans les sous-brutés. Ba sala ngo nanu na ese ba sala ba société ya raffinerie makamunyo se sala ma awa apprendre de exporter ezaya kuinda obalu bakesi allo e basaiba en RDC les ressources naturelles ne seront plus exploitées et exportées à l'état brut. Le gouvernement congolais a levé l'option de ne plus exploiter ni exporter les minéraux du pays en état brut. La vice-première ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, l'a affirmé au cours de l'émission Dialogue entre Congolais jeudi 6 octobre à Radio Okapi. Désormais, en RDC, les ressources naturelles ne seront plus exploitées et exportées à l'état brut, mais elles seront plutôt transformées localement envie de leur donner une plus-value. Elle a également exprimé l'engagement du gouvernement du lieu, la protection de l'environnement au développement. Cela pour permettre à la population congolaise de bénéficier de la transition énergétique. Eve Bazaïba a fait savoir que les minéraux congolais soutiennent les changements énergétiques. Dans le cadre de la diversification de l'économie, elle pourrait de l'économie a-t-elle poursuivi, les Congolais ont besoin de l'oxygène, mais également du pain. La ministre de l'Environnement a par ailleurs souhaité que le pays ait une vie décente pour atténuer la température planétaire à 1,5 Celsius. Ça nécessite de changer de comportement, à utiliser des procédés non polluants, a recommandé Eve Bazaïba. Elle a fait des recommandations au lendemain de la clôture des travaux sur la pré-COP27 tenue à Kinshasa. Ce forum de 3 jours avait été réuni les ministres en charge de l'environnement des 60 pays du monde. Alors, sans plus tarder, Toyoka Eve Bazaïba, bon, on continue mission à mission. Mesdames, Messieurs, bonjour. Désormais, en RDC, les ressources naturelles ne seront plus exploitées et exportées à l'état brut. Elles seront plutôt transformées localement en vue de leur donner une valeur ajoutée. Cette déclaration est de la vice-première ministre de l'Environnement, hier jeudi à Radio Kapi, au cours de l'émission Dialogue entre Congolais spécial, animée par Kéline Kouté. Eve Bazaïba a aussi précisé que le gouvernement congolais a levé l'option de lier la protection de l'environnement au développement. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hirung. Pour atténuer la température planétaire à 1,5 degré Celsius, ça nécessite donc de changer de comportement à utiliser des procédés non polluants. Je vous ai parlé de nos minéraux qui soutiennent la transition énergétique. Désormais, en République démocratique du Congo, tout ce qu'il y a comme ressources naturelles de la RDC ne sera plus exploité, exporté en brut. Exploiter, oui, transformer localement en vue de leur donner une plus-value pour que la RDC aussi, les populations congolaises, participent, bénéficient, accèdent aussi à la transition énergétique. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a levé l'option désormais de lier d'abord la protection de l'environnement au développement. Dans le cadre de la diversification de l'économie, parce que nous avons, c'est vrai, besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Et les protecteurs de ces couverts forestiers ont droit aussi à une vie décente. Alors, Bandeko, Tolandi Bisognoso, Eve Bazaïba.
alobi ba minere na biso koko malisute ne tabrit bandeko. Alors e komi problème ke il faut nanu extraction e sala ma na mboka na biso aprende e kei na ba pays oyo bazana posana. Décision na madame la ministre de l'environnement a expliqué très bien. Bande kombo ke souffrir. Et ça pena mawatru parce que ce total est tambo ke zalaki. Total comment ba situation ko yesala maki. Donc zongo na clairement été mboka na biso esenga ezo senga makambo ba changement. Comment ba minere ya RDC et komi na libanda de chaque fois ba yeba zui ba kenango soto tala biloko wana biso zana besoin ba banda kosala yango awa. C'est ça le problème. Alors, sur ce, il faut diminuer ma camouille de souffrir. Non. Parce que, pendant que les minéraux sont en vrac, les richesses sont en vrac, les pays voisins sont en vrac en utilisant les groupes armés. Et comme étant, ils sont en télé. Sous autre la situation, au moins clairement comment pays a exploité dans Ndenga Mabé. Donc, comme étant bas congolais, tout la mouka. Bisonios. Parce que Zambo Kanabiso. Sous autre au moins clairement le bien a été. Mbo Kanabiso, votre terrible. Oui, mais les criminités. Bas minéré. Sous autre la même bas minéré Nabiso. Au moins, clairement, été vraiment pas zoïe. Alors, pas congolais. Ma bazaï, ma kambalobi, ko peso, ba travaux, na mouka na msou. Batu ba kozo ba boulot, parce que maintenant, ba société, ba chinois. Ou etondiao. Ba société wana. Ba bimisika, ba yango brite, ko sara na ba izina mouka na ba. Alors, ndenge ya bimisi moubeko, ndenge alobi ke ko du malisouti. Ne tawana brut. Ba société na siku fo ba sala ba raffinerie awa. Ya ko extraire ngo na eksa moko brut avant e kende kuno. Un, e ko créer ba emploi na population. Deux, e ko diminuer makamu su su peuple azo souffrir wa donc o somo na financier ba économie komata. Parce que ben industrie koma ebeli ya cobalt, ya cuivre, ya sorte na sorte ba minerai to na ngo. Et bah, ma société est là. Alors, tout ce monde qui est belé, il y a tout ce qui est ma banque, ma Dieu partisanal, hein, et qui est comme ça, ma batterie en Europe. Ma minéraux en Europe, il faut être salama, awa, avant même qu'il y ait l'Europe. Même cobalt, cuivre, partout. Alors, ma décision, on est à Zui, et c'est important. Et ma minéraux en Europe, et salama, awa. Soko e salami na mboka na biso. Iko sale sengo. Ma Kongole, tala, tola muka. Mama bazaye ba touche pon. Vice Premier Ministre, pon oyu pende kwe de mboka. Mboka oyu ko change, koma ba minere na biso. Ba ye ba ziongo, biso mo to tiga li kabo. Eza la kobal tu wana kusaba batere buso mwana. Eza la cuivre. Eza la diamant. Oh! Basala ngunano awa. Comme ça, ba izine kukoma ebele. Ba Kongole ba jwa misala nde jikamine za. Tokon va suite nde wane ebele. En tout cas, maman o rezone malamu. Ba mindele ba iba jwa minere ba kenango biso to tsikali kakabui. Non. Félicitation maman la ministre. Et puis a beti sete. Pas toko jwa mbongo ya klima. Bako manage CO2 wana CO2 très bien. Et pour pouvoir protéger l'environnement, bien wana bosa nangote. Voilà bandiko. Message et yokani. Monde entier ba yoki. Félicitations la vice-premier ministre. Alors bandiko nanga, oezaba émission ko partager.
RD Congo toujours senga une place aux allez partager pas toi quand avait mission moko et début surtout yeba makamusus. Alors bande konanga c'est à ce point de comment clôturer mission abisso. Bon continuez qu'on s'abonner, bon partager. Au revoir, à la prochaine.